retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est une vidéo que j'étais trop pressée de faire. Je vais vous parler de quoi? Des cadeaux, en fait, des idées de cadeaux pour Noël, pour les enfants, pour les femmes, hein, les mamans ou les grands-parents, et aussi pour les papas. Enfin, les papas, j'ai une idée que j'ai pris comme ça. Donc voilà, donc là c'est pas des cadeaux que je vous, les cadeaux que je vous montre, c'est pas des cadeaux que je vais offrir à mes fils, hein. C'est des cadeaux qu'on nous a offerts ou qu'on a achetés à nos enfants. Tous les cadeaux de Noël qu'on va avoir cette année, je vous ferai une vidéo après, j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais commencer par les enfants. Je vais essayer de vous dire à chaque fois les prix et puis un peu les tranches d'âge. Donc là je vais commencer par les petits. Je vous montre un jouet, donc ça c'est un basique. C'est un cadeau que vous pouvez offrir ou que vous pouvez acheter à vos enfants. Vous êtes sûr à tous les coups que ça va leur plaire parce qu'il leur en faut. Donc ça, c'est pour les enfants qui ont à peu près un an et demi. Voilà. C'est ce genre de jouet-là. Donc là, je vous montre un jouet. Ah, ça fait du bruit. De chez Fisher Price. Mais vous en trouvez plein de modèles différents. En fait, c'est un jouet avec un système où on emboîte les pièces. Hein. Vous avez ici une forme de petite étoile. Et hop, il faut le passer à l'intérieur. Celui-ci, en fait, c'est qu'il fait du bruit. Il y a un petit bouton ici, puis quand il le bascule, ça fait une petite musique. Mais voilà, ce système-là, en fait, c'est bien pour les petits parce que ça leur permet déjà de manipuler, pardon, les formes, les petits jouets. Ils comprennent vite qu'il faut ouvrir après, qu'ils prennent les petits cubes et tout à l'intérieur. Voilà, c'est un peu difficile au départ pour eux parce qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre les formes à l'intérieur. Mais vous allez voir, c'est ça qui est sympa, parce que vous voyez vite comme ils progressent. Et vous les voyez vite progresser. Et ça, voilà, c'est vrai que pour la motricité, pour la réflexion, pour tout, c'est bien pour, c'est vraiment bien pour les enfants. Donc ça, ça coûte, celui-ci coûte une vingtaine d'euros, je crois, 19 euros. Ça, c'est un Fisher Price. Mais comme je vous dis, dans le principe, hein, vous en trouvez plein. Il y en a en bois. Mais ça, je pense que c'est un essentiel à avoir pour les petits, et c'est une super idée cadeau pour les petits de à peu près un an et demi. Hop, ça fait du bruit par contre. Autre jouet pour les enfants d'à peu près un an et demi, c'est ce jouet-là que je trouve super sympa. Donc ça s'appelle Titouan l'éléphant, voilà. Ça, ça coûte 20 euros, 18 euros je crois. Tout ce que je vous montre, vous pouvez le retrouver, hein, ça c'est sûr. Voilà, vous pouvez tout retrouver en magasin. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. Donc voilà, donc ça c'est Titouan l'éléphant, donc il y a un bouton ici. Voilà, donc en fait, vous pouvez monter ou baisser le son. Le principe, c'est que vous avez des pages qui sont plastifiées, bien sûr, en plus qui sont pratiques pour l'entretien, ça se lave bien, hein. Ça se déchire quand même franchement pas facilement. Hein. Et je vais baisser un peu le son. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, vous avez la fonction lecture. Ça lit l'histoire en fait, parce que c'est une histoire. Donc ça lit l'histoire. Voilà. Il y a une petite histoire qui est ici. Après, vous pouvez appuyer par là. Ça fait le bruit des animaux, ça apprend à compter, ça fait les couleurs. Je trouve ça pas très cher, franchement. Voilà, vous avez là même le mode musique, le mode lecture, le mode ABC. Et c'est super mignon, c'est très pratique à emmener. C'est vraiment. Ça s'abîme pas du tout. Vous voyez, à la fin, vous avez les ronds, les triangles, voilà. C'est plus pour un an et demi, deux ans je pense. C'est pas très cher et c'est très ludique, c'est super mignon, c'est très joli. Il y a plein de couleurs, plein de musique, plein de bruit. C'est un éléphant et je crois qu'il y en a une autre version avec un autre animal, je sais plus ce que c'est. Bref, ça c'est une super idée de cadeau aussi. Ils aiment bien tout ce qui fait du son, de la lumière et tout ça. Donc là, vous êtes servi. Il y a des boutons, il y en a partout ici. Il y en a ici, il y a une petite boule. Ici, ça demande de chercher des choses. Voilà. Et ça coûte moins de 20 euros. J'ai essayé de vous prendre des choses pas trop chères. Un autre jouet que j'aime bien, ça c'est un petit peu le côté nostalgique, c'est ce genre de petit jouet là. Ils ont fait Fisher Price, ils ont ressorti une gamme un peu vintage. Donc là, c'est un vieux appareil photo. J'ai vu qu'il venait de sortir le manche disque là. Le tour de disque, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le manche disque. Donc voilà, là le principe, vous avez des petits disques. On peut les ranger ici aussi. Bon là j'en ai que deux, mais je crois qu'il y en a trois. Il y en a un autre qui doit être quelque part. Enfin, des petits disques comme ça. Donc ça c'est plus pour... pas avant deux ans. Parce que c'est ça qui est marrant aussi, c'est que mon fils au départ, quand il l'a eu, il n'arrivait pas à regarder en fait. Nous on lui mettait des images, genre il y a un petit chaperon rouge, et on lui disait qu'est-ce que tu vois?
Tant qu'il ne nous a pas dit, je vois une fille, une petite fille. Ou... Non, il n'arrivait pas en fait à mettre son œil. Donc c'est ça qui est marrant aussi de voir que bah, il était tout content après d'y arriver et tout. Et puis bon, ça, c'est un peu aussi, c'est... ça rappelle nos histoires, nos jeux à nous. Hein. C'est un peu nostalgique. Hein. Bref, vous insérez ici. Il y a le petit bouton. Ici, on peut regarder les couleurs. Ici, on regarde les images. On appuie, ça tourne. Voilà, il y a une petite poignée ici. C'est super mignon, je trouve. Voilà, c'est assez vintage, hein, encore une fois. Hein. Mais je vous dis, ils ont sorti ça. On tourne ici. Voilà. Ils ont sorti les jouets vintage et ça marche vachement bien. Il y a, je vous dis, le tourne-disque que j'ai hésité à lui prendre, mais on verra plus tard. Donc voilà. Donc là, j'ai mis des animaux. Il y a une vache, des canards et tout. Donc ça, c'est sympa. Ça coûte pas très très cher. Je ne sais plus le prix de ça. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos si je trouve. Mais c'est pas très très cher. Faut compter une vingtaine d'euros aussi. Maintenant, un autre jouet. Ça, c'est mon mari qui l'avait offert pour les 1 mois de mon fils de Maë. Donc, c'était un petit moment. Mais je trouve super bien. Il est très mignon. C'est ça. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est la marque VTech qui fait ça. C'est Mon Mouton, Mille et Une Chansons. Voilà, tout simplement. Donc, dans le dos, vous avez cet appareil qui s'enlève. Voilà, qui se déboîte. Qui permet, en fait, de laver le mouton. Moi, j'ai déjà lavé le mouton. Attendez, je ne dise pas de bêtises. Est-ce qu'on peut laver le mouton? Je crois bien qu'on peut laver le mouton. Je l'ai déjà lavé, moi, le mouton. Ou est-ce que c'est pas sûr? Oh, j'ai un gros doute maintenant. Parce que je vois qu'il y a des appareils. Non, non, non. On peut laver le mouton, c'est sûr et certain. Oui, je suis en train de réfléchir. On peut laver le mouton, c'est sûr. En fait, dedans, il ne reste que la peluche et un truc en plastique. On enlève ça, c'est fait exprès. Ça marche avec des piles et ce qui est super bien, c'est que vous pouvez mettre une carte SD dedans. Donc si vous voulez, vous pouvez enregistrer votre voix, vous pouvez créer votre playlist, vous pouvez aussi connecter votre carte SD sur l'ordinateur. Et en fait, sur le site VTech, vous avez plein de chansons que vous pouvez télécharger et tout, c'est super bien. Ça coûte par contre 50 euros quand même, c'est vrai, mais il est trop mignon, il y a plein de boutons. Il se rallume quand le bébé pleure, vous pouvez régler 15, 30, 60 minutes... Voilà, vous avez des chansons qui sont préenregistrées, vous pouvez créer votre playlist. Nous, je sais qu'on y avait mis du rock'n'roll dedans. Voilà, on avait mis des berceuses aussi. Et vous pouvez régler le volume. Et c'est tout simple à mettre et à défaire. Voilà. Et ça se referme. Il est trop mignon. Il est tout doux. Il est trop trop beau. Donc ça, c'est une super idée de cadeau aussi. Par exemple, ça peut être aussi pour une future maman. Si vous, à Noël, vous avez une future maman, bah ça, c'est une bonne idée de cadeau pour les futures mamans et pour les enfants aussi. Je vais continuer pour les enfants. Donc, par vous montrer, moi j'achète beaucoup de choses pour Noël aussi, puis tout au long de l'année, mais beaucoup de choses à Noël, des cadeaux en fait un peu créatifs, manuels, et j'ai pensé à ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est tout bête, hein, ça coûte 2 euros chez Emma, mais tout ça pour les enfants, à partir de 2 ans, vous faites un succès. Hein. C'est plein de petits tampons, voilà, qui se rangent, ça coûte 2 euros le petit paquet. Ou 2,50€, je sais plus, ouais, 2€, je crois, 2,50€. Et vous avez plein de modèles différents. Alors moi, j'ai pris là des fleurs, des cœurs, des lettres, voilà. Donc celui-ci, il est tout neuf, j'en avais acheté 2. Soit je l'offrirai, soit je le garde, on verra. Et ça, c'est des petites idées, vous pouvez offrir ça avec des petits livres, des livres de coloriage, des choses comme ça. On pense pas forcément à ça, mais je sais que moi, par exemple, Maë, là, pour Noël, on lui a acheté plein de livres de coloriage, des livres de lecture. Voilà, au-delà des jeux et tout, on a acheté beaucoup de trucs créatifs et manuels. Donc ça, c'est une super idée, ça coûte pas cher du tout et ça fait vraiment plaisir aux enfants. Maintenant, on va passer sur des jeux de société. Je voulais vous montrer des jeux de société pour les enfants. Des jeux surtout qui changent un petit peu je sais pas moi, d'attrape-lapin, de qu'est-ce qu'il y a, de réveil papa, de docteur Maboule, des choses comme ça. Maël à Noël devrait avoir normalement, je crois que c'est fiche-trouille, c'est une espèce de requin, là, vous savez, qui veut vous pêcher, puis quand ça, vous sortez de mauvais poisson, ah, il y a un gros requin qui sort, le truc qui fait bien peur, quoi. Là, l'an dernier, il avait eu un petit jeu aussi, c'est un poisson qui ouvre la bouche, et on appuie sur les dents, puis quand vous appuyez sur la mauvaise dent, la bouche se ferme. Aujourd'hui, il adore ça, sur le moment quand on lui a offert, il avait peur, il ne voulait pas appuyer. Donc là, je pense que le coup du requin qui va sortir, il va avoir peur. On lui prend quelques petits jeux comme ça, hein, sympa, c'est rigolo. Mais on lui prend beaucoup de jeux aussi de plateau, un petit peu plus
de réflexion, on va dire. Donc, je vais vous montrer ces deux jeux-là. Donc, vous avez ce jeu-là qui s'appelle le jeu du loup. Il est trop bien, ce jeu. C'est Nathan qui fait ça. Donc, ils appellent ça des jeux coopératifs. C'est dès 3 ans. Ce que j'adore, c'est qu'il marque le temps. Ça dure à peu près 15 minutes une partie, donc c'est parfait. Et ce jeu, il est super bien. Il faut compter 20-25 euros. De toute façon, les jeux... La boîte fait des bruits bizarres. Les jeux, ils font à peu près ce prix-là. Hein. Donc, vous avez un plateau. Bon, je vous montre, c'est un plateau tout simple. Celui-ci, voilà, il est assez simple. Dedans, vous avez des petites cartes comme ça. C'est des petites feuilles. C'est très, très simple. Hein. Et une petite poche pour piocher. Donc là, voilà, dès 3 ans, à 3 ans, ils peuvent y jouer. Hein, il n'y a pas de souci. Et dedans, en fait, vous avez sur le plateau, vous mettez plein de... Bah, toutes des petites fleurs, des petits papillons, des murs et tout. Et le but du jeu, bah, en fait, c'est de remplir sa petite feuille le plus rapidement. Vous piochez un escargot, vous avez la petite poche, vous piochez un escargot, mais vous récupérez sur le plateau de jeu l'escargot que vous mettez ici. Le premier qui a fini a gagné. Mais attention, parce que quand vous tombez sur... Voilà, j'ai vu. Sur le loup, mon fils, il adore tomber là-dessus. Quand il pioche, il fait... Oh, il est tout content. Et bien, en fait, à côté de ça, vous avez un petit panneau comme ça. Voilà, qui se pose comme ça. C'est aimanté, c'est très bien fait. Et le loup, et bien, vous l'habillez. Voilà, quand vous piochez une fois la tête de loup, vous lui mettez, par exemple, son gilet. Alors, autant vous dire que les enfants, ils adorent ça. Après, son pantalon. Ensuite, son chapeau. Et là, attention, si tu repioches encore le loup, tu lui mets son parapluie. Et là, le loup arrive, il a gagné. Et en fait, on a les enfants en perdu. Donc moi, quand il a pioché, il l'a habillé, je lui fais « Le loup a tout mangé !» Alors Donc c'est trop rigolo. Donc ça, voilà, c'est un jeu d'équipe parce qu'on peut jouer individuellement ou en équipe contre le loup. C'est très bien fait, c'est joli, c'est aimanté, c'est super pratique. Et ce jeu, il est trop trop bien. Et il coûte 20-25 euros et c'est Nathan qui fait ça. Voilà. Je vous montre un autre jeu aussi que j'adore. C'est ça, c'est le petit verger. Donc il y a le jeu normal, le verger, et là le petit verger. Celui-ci, il commence de 3 à 8 ans. C'est 10 minutes à peu près la partie. Et voilà, et ça vous met aussi, par exemple, coopération, c'est 5 smileys. Mémoire, c'est 3 smileys. Voilà. Ça, c'est une super marque. J'adore la marque ABBA. Alors, pas le groupe, hein. Gimme, gimme. Non, non, je rigole. La marque ABBA, ils ont des super jeux. Là, j'en ai demandé un autre pour Noël. Je ne sais pas si il va l'avoir du côté de ma maman ou pas. On va voir. Non, voilà. Et là, il est trop mignon, plus ce jeu. Alors, vous avez un petit plateau comme ça. Alors, je vous montre. Il est trop beau. Avec, je vous sors un petit peu vite fait, 2-3 trucs pour vous montrer. Vous avez le petit arbre ici. Donc, c'est trop, trop joli. Avec des petites cerises à mettre dans l'arbre. Donc ça, c'est tout simple, hein, comme jeu. Faut pas... Voilà, c'est tout simple. Bon, bref, vous mettez toutes les petites cerises. Vous avez votre petit panier, qui est trop, trop joli. Le méchant corbeau, que vous mettez juste ici. Un dé, avec des petits trucs dessus, des fleurs et tout. Et là, vous disposez des petites cartes, en fait, avec les fleurs, de ce côté. Voilà, ici, il y a une fleur, et ici, il y a une cerise. Et ici, par exemple, vous voyez, vous avez une fleur, et quand vous retournez, vous avez le corbeau. Donc, en fait, quand l'enfant tombe sur la fleur bleue, par exemple, ben, il cherche une fleur bleue. S'il retourne une cerise, il met une petite cerise dans son panier. Mais attention, s'il retourne le corbeau avance. Et le but du jeu, ben, c'est d'avoir récupéré toutes les petites cerises. Alors, il n'y en a pas beaucoup de cerises, hein. Il y en a 5 cerises. Voilà, il faut arriver à récupérer toutes les cerises avant le corbeau, sinon le corbeau, il a gagné. Et toi, t'as perdu. Donc voilà, c'est... Ça a super bien ce petit jeu. Jeko qui fait ça. Donc là, j'ai Mysticat et Batawaf. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait. Celui-ci, c'est dès 3 ans. Celui-ci, c'est dès 4 ans. Donc en fait, c'est super pratique. C'est super facile, plutôt, le principe du jeu. Ça coûte pas cher. Ça coûte 6-7 euros. Je vous montre vite fait les chiens. En fait, c'est des petits jeux de cartes. Alors, juste le petit truc. C'est vrai que c'est compliqué pour les petits. Juste, c'est pour tenir les cartes. Donc là, à Noël, il va sûrement avoir un... Ça existe, je crois que c'est la marque qui fait ça. Un truc pour tenir les cartes, en fait. Ça se pose sur la table et le petit, il peut ranger ses cartes et pas avoir à les tenir dans les mains parce qu'ils ne peuvent pas les tenir. Donc là, celui-ci, le principe du jeu, c'est très très simple. Vous avez différents tailles. Par exemple, vous avez le petit chien. Attendez, je vais vous montrer. Le petit, le moyen, le grand...
Et en fait, voilà, le but du jeu, c'est de faire des batailles, en fait. C'est une bataille. Donc voilà, vous donnez à l'enfant et on retourne les cartes. Celui qui gagne, c'est celui qui a le plus grand chien. Donc ça, c'est très facile. Ça leur permet d'apprendre aussi un peu à compter. Et du coup, vous voyez, celui-ci est tout petit. Celui-ci, il est très grand. Ça, ils y arrivent très facilement, hein, repérer le plus grand, le plus petit. Après, les chiffres, c'est une autre histoire, mais la taille, ils y arrivent très facilement. Et celui-ci, j'adore. C'est un peu mon coup de cœur. Ça, c'est... comment s'appelle ce jeu? Je sais plus. Vous savez, vous avez des jeux de cartes. Il y a un intrus. Vous tirez, vous faites des paires de même couleur. Attendez. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer. Alors déjà, le jeu en lui-même, il est trop beau. C'est des petits chats, le jeu de cartes. Recto verso. Voilà. Vous avez plein de modèles. C'est trop, trop joli. Et en fait, dans votre jeu, vous avez un méchant. Regardez celui-là comme il est beau. Vous avez un méchant qui est où? J'ai pas tout sorti, bien sûr. Le méchant, il va se retrouver. Regardez celui-ci. Le petit léopard. Donc en fait, vous trouvez ben, vos paires. Ah voilà, le méchant, il est là. Voilà, vous trouvez les deux. Vous les enlevez. Et en fait, vous faites piocher. Pour le fait de vous constituer des paires, en fait. Et par contre, il y a un méchant, c'est celui-ci avec le masque. Quand on tombe dessus, le but du jeu, ben, c'est pas de l'avoir, en fait. Sinon, vous avez perdu. Ça porte un nom, ce jeu, j'en suis sûre. C'est pas marqué, d'ailleurs. Associer des paires de chats sans récupérer le mystérieux chat masqué. Bref, donc du coup, nous, on joue en équipe. Souvent, il joue avec moi ou avec mon mari. Bon, c'est sûr que quand il est avec moi, ben, il n'a pas de chance. Les trois quarts du temps, il perd. Ça l'apprend aussi à perdre, hein, mais pas toujours à gagner. Mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. C'est très simple. Hein. Ils disent dès 4 ans, c'est vrai que bon, même avant, mon fils n'a pas 4 ans, il y arrive très bien. Hein. Il n'arrive pas bien à tenir les cartes, comme je vous dis, mais maintenant, avec le petit support qui existe, c'est très, très facile. Donc voilà, ça, c'est le Misty Gris. Et ben, ça s'appelle comme ça, peut-être le jeu, la base. Et ça, c'est la bataille. Ça ne coûte même pas 7 euros. Bon, ça, c'est vraiment des super idées. Une autre idée pour les enfants, et je vais terminer là-dessus, ça va être ce genre de choses. Donc, vous allez dire, des tablettes. Aujourd'hui, je pense que voilà, c'est vrai que c'est difficile de passer à côté de ça. Après, encore une fois, ça dépend de l'utilité que l'enfant en a. Donc moi, je vous montre la tablette qu'on a achetée pour notre fils. Donc, hop, je vous enlève ça, voilà. Donc, on lui a acheté une protection. Je crois qu'on l'a pris sur AliExpress ou sur eBay. Bon, je sais plus, mais vous la trouvez partout. Nous, on l'a payé 10 euros. Elle est pratique parce qu'elle se porte comme ça. Après, elle n'est pas forcément jolie, hein, je l'avoue. C'est une matière un peu, on dirait, vous savez, les crocs pour les enfants, là, ou pour les adultes aussi, hein, qu'on met au pied. Et en fait, vous avez ça qui est pratique, comme ça, il peut le poser ou voilà, dans tous les sens. Et nous, c'est une Samsung Galaxy Tab. Donc, vous allez vous dire, il y a peut-être d'autres choses qui existent pour les enfants. Oui, moi, avant, on lui avait acheté une, vous savez, les Storio. Et honnêtement, ça ramait. Et tous les jeux sont payants, c'est 25 euros le jeu. Moi je trouve que ça a déjà 3 heures pour se lancer. En plus, c'est assez bridé, ça rame et c'est payant. Ça, on l'a payé 90 euros. A savoir que la Storio, j'ai quand même payé 90 euros toute seule. Hein. Et c'est, on peut rien faire dessus, hein, genre à part les jeux pour les enfants. Voilà. Et tout est payant. Ça on l'a payé d'occasion, hein, je l'ai acheté 90 euros. Tout est gratuit dessus. Et en plus, c'est une tablette, je vous montre. Hein. C'est une tablette. C'est-à-dire que nous aussi, on peut l'utiliser. Vous voyez? C'est une tablette. Voilà. Alors, l'écran, il est fêlé. Hein. C'est pas qu'il est fêlé. C'est pas l'écran d'origine. Quoi. Il y a une protection dessus. Heureusement qu'on l'a mis. Il l'a fait tomber il y a à peu près un mois et demi. Et il l'a fêlé dessous. Donc, pour l'instant, on ne change pas parce que ça ne gêne pas plus que ça, on va dire. Ouais, c'est une tablette toute simple. Hein. Mais ce qui est bien sur la Samsung Galaxy, et c'est pour ça qu'on l'a pris, on a regardé, c'est la seule qui fait ça, je crois. Hein, je m'engage pas trop non plus là-dessus, mais je pense. Elle a un mode, ici vous allez le voir, juste ici, elle a un mode enfant. Quand vous cliquez dessus, vous atterrissez sur cette page qui est très très jolie. Voilà, je vais m'approcher un petit peu, qui est super belle. Vous avez, alors, je suis sûre peut-être que je monte le son. Voilà, vous avez plein d'icônes, vous pouvez lui mettre ses films. Je ne sais pas monter le son. Voilà. Là, c'est, je ne suis pas connectée à Internet. Hein, c'est téléchargé à l'intérieur. Voilà. En plus, vous pouvez verrouiller ici. C'est-à-dire qu'il peut pianoter sur l'écran. Voilà. Et ça ne fait rien.
Voilà, donc là, on lui a mis ça, nous, on lui a mis Cars, on lui a mis vice-versa, il y a plein de choses. Dedans, il a aussi ses photos, vous pouvez mettre ses photos. Après, il a des trucs tout simples, hein. Par exemple, voilà, ici, un xylophone. Et après, je vous montre. Il va avoir des jeux du genre, je sais pas moi, c'est quoi tous ces jeux qu'il a, je sais pas. Je connais pas tous les jeux qu'il a, c'est mon mari qui lui met les jeux. Des jeux de baleine, c'est quoi ce jeu-là? Je vous ai peut-être pas pris de bons jeux. Hein. C'est quoi? Ouais, bon voilà, c'est tout simple. Hein. Bon là, c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais... Des jeux que vous pouvez retrouver sur les portables en fait, hein, parce que vous le téléchargez sur... C'est Android, hein. Et du coup, il y avait d'autres jeux, il y a des jeux de peinture, on lui a mis des jeux d'alphabet, des jeux de couleurs, il y a plein de choses. Ce qui est vraiment pratique avec ce mode, c'est que vous pouvez vous-même contrôler, en fait, il y a un mode où vous pouvez mettre le temps de jeu, c'est-à-dire que nous, on lui a réglé à 1 heure, c'est-à-dire que quand il va dessus, il joue 1 heure, et après c'est bloqué, c'est-à-dire qu'il y a marqué, tu as écoulé ton temps, c'est bloqué. Il ne peut pas aller sur Internet pour quitter, par exemple, ce mode, nous, il a que accès à ce mode-là. Ici, vous appuyez là et vous avez un mot de passe pour sortir quand vous êtes un parent. Voilà, et ici, vous avez accès au contrôle parental. Donc voilà, c'est super pratique. Ça, c'est gratuit hein, dessus. Et nous, on ne regrette vraiment pas notre achat. Donc voilà, une tablette. Je vous dis de casse, vous comptez 90 euros à peu près. Maintenant, je vais vous montrer vite fait. Je me dépêche parce que je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Les idées de cadeaux pour des futures mamans. Ça, c'est, je trouve, c'est une super idée cadeau. Moi, on m'a offert celui-ci, mon livre de grossesse, mais le reste, je me le suis acheté. Donc, des idées comme ça, c'est des livres de grossesse. C'est très, très bien, je trouve, comme idée. Ça coûte 15 euros, entre 15 et 20 euros. Et c'est super. Il y a des filles qui ne connaissent pas du tout, je sais. Et je trouve ça vachement bien. Ça permet de marquer ce qu'on ressent chaque semaine, les petites anecdotes et tout ça. De mettre des photos. Alors, moi, je n'ai pas mis toutes les photos. Il faut que je le fasse, je le termine. Celui-ci, c'est celui de Maë. Je ne vous ai pas monté... non, celui d'Evan, je ne l'ai pas pris. Bon, j'ai mis quelques photos hein, quand même, mais... voilà, il m'en reste plein à mettre. Hein. J'en ai pas mis. J'ai pas tout mis. Vous voyez, bon, là, j'étais à 36 semaines de grossesse. Voilà. Ça, c'était pour Maë. Et c'est vrai que c'était... c'est super bien. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Ou alors, vous pouvez aussi offrir un livre pour les bébés. Donc ça, c'est mon livre de bébé ou mon album, mon livre de naissance. Donc ça, c'est celui de Maë. Ça, c'est celui de Evan. Je préfère quand même celui de Maë. Celui d'Evan est super joli aussi, mais celui-ci est beaucoup plus ludique. Ça, ça coûte 19,90. Voilà, je le trouve très, très beau. Voilà. Et dedans, alors, j'ai pas mis toutes les photos non plus. J'en ai mis quand même pas mal. Voilà, vous pouvez ranger plein de trucs, écrire plein de choses. Voilà, ça c'est ses photos quand il est né. Vous voyez ici, vous pouvez mettre le temps qu'il faisait. Sainte-Christine. Là, c'était les trucs de journaux. C'était le Royal Baby. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre. J'ai fait ses empreintes. Là, moi, il faut vraiment que je finisse toutes les photos. Mais là, je vais m'y mettre. J'ai dit que vu que je dois faire des petits albums photos, là, j'ai vraiment terminé. Et puis, j'ai celui-ci d'Evan. Donc, c'est mon livre bébé. Et c'est pareil. Je le trouve un petit peu moins mignon, mais bon, il est quand même vraiment sympa. Il y a des petits trucs ici. Voilà. Donc là, il y a des choses. C'est vraiment beaucoup de photos à mettre, donc c'est pour ça. Hein. Mais je l'ai rempli, mais voilà, il faut le finir. Il faut que je le finisse. Bon, en même temps, il a que 10 mois. Hein. Mes premiers pas, il les a pas fait encore. Mon petit caractère, ça. Il est bien là, son petit caractère. Voilà, ça parle de plein de choses. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ça, c'est des super idées cadeaux. Voilà, des livres de grossesse, des livres de naissance. C'est vraiment, ça fera vraiment plaisir. Autre chose que vous pouvez faire pour les grands-parents, ou pour vous-même, hein, ou pour votre mari, mais c'est ça, des petits calendriers. Donc ça, ça vient de Vistaprint. J'ai vu qu'en plus, en ce moment, vous avez 50% sur tous les calendriers. Et celui que je vous montre, le modèle, là, je sais qu'il existe encore sur Vistaprint. Moi, je l'ai fait en 2014, donc il y a 2 ans. Ouais, je sais qu'il existe encore. Vous allez voir, il est trop joli le thème. Donc voilà, ça j'ai pris le thème des enfants. C'est plastifié ici et pas là. Mais après, vous pouvez personnaliser aussi, je sais, les fêtes et tout. Je trouve trop joli. Franchement, là j'ai une parole, maman a 28 ans.
Et ça, c'est des super, super idées. La petite grenouille. Et puis, ça fait vraiment des super souvenirs. Et pour les grands-parents, je vous dis, allez-y, les yeux fermés, ils vont adorer. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà, il faut compter à peu près, même pas une dizaine d'euros hein, pour le calendrier. Je crois que c'est 8,50, 9 euros le calendrier. J'adore ça. Moi, je vais encore en faire cette année. J'en fais deux en général. Souvent, c'est soit 50%, soit un acheté, un offert. Donc, moi, je vais encore en faire deux, hein, pour les... même trois. Parce que souvent, j'en fais un pour moi, mais qui est différent. Mais bon. Donc, ça, c'est vraiment, je le recommande. Maintenant, sur un cadeau beaucoup plus classique, je vous montre ça. C'est un coffret de parfum. Ça, c'est pour les mamans, pour les grands-mères. Pourquoi je vous montre Chloé? Parce que j'adore ce parfum. Ça, c'est un très beau cadeau. Hein. Faut compter à peu près 70 à 80 euros par contre. Donc, je vous montre. Hein, c'est une belle boîte. Dedans, j'ai pas mis là, mais c'est que c'est dans mon sac à main. Vous avez une petite fiole en fait de parfum. Vous avez un lait corporel et le parfum. J'adore ce parfum. Chloé, c'est ceux qui connaissent, bah, vous me direz si oui ou non vous aimez. Mais moi, je trouve que c'est une super, super senteur. J'adore. Et ça, c'est un très beau cadeau qu'on peut faire. Moi, on me l'a fait... pour ma baby shower et j'adore ça, je suis très très contente. Donc voilà Chloé. Et je finis par une idée cadeau pour les papas qui est vraiment pas chère. Je vous montre ça. C'est un petit bracelet en fait qu'on peut trouver sur AliExpress. Voilà, je l'ai payé 5 euros je crois, même pas 5 euros. Il est très très bien fini. Voilà, la boucle elle est en métal, ça se met comme ça, voilà, tout simplement. Et il est marron, il est en cuir, je sais qu'il existe en d'autres couleurs, il y avait noir, il y avait un autre marron. Ça c'est super, c'est une petite idée cadeau, ça coûte pas cher. Faut quand même demander la taille par contre, faut réussir à prendre la taille du poignet de votre mari ou de votre copain parce qu'il vous demande la taille. Mais voilà, AliExpress, il faut se dépêcher à commander si vous voulez l'avoir à temps. J'allais oublier un truc important, c'était une bonne affaire, c'est ce petit cadeau là pour les enfants. Je sais pas si vous avez déjà vu, je trouve ça trop trop mignon. C'est en fait, comment vous dire, c'est une... comment on appelle ça? Ça raconte des histoires tout simplement. C'est comme un livre pour les enfants, mais là ça raconte l'histoire. C'est très pratique à nettoyer, vous pouvez enlever les cheveux, attention, pour mettre les piles. Donc là c'est juste, c'est moins joli. Hein. Mais bon, c'est vrai que s'il y a un petit accident ou bébé vomit sur les cheveux, vous pouvez l'enlever pour nettoyer. Ça se remet, hop, ça se remet tout simplement. Simplement, la fille elle galère pour le remettre. Non, 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 ça se met vachement facilement. Vous avez le bout du nez qui s'allume? Bonjour mon ami, je suis ravie de jouer avec toi. À chaque fois que je te le dirai, voilà. Appuie sur l'une de mes oreilles pour choisir ce que tu préfères. Allons-y, qu'aimerais-tu faire? Orange, écouter une histoire? Ou vert, inventer une histoire avec moi? Donc le principe c'est tout simple. Donc ça c'est pas avant 3 ans hein, je pense. Vous cliquez sur les oreilles, c'est pas la même chose. Si vous cliquez ici par exemple, elle va vous raconter une histoire. Donc ça va être des histoires de princesses, de princes, de chevaliers, de tout ce que vous voulez. Et à droite, alors je vous montre orange, c'est la verte ici, mais bon c'est pas grave. Bref, je sais plus. Et l'autre en fait, vous créez des histoires. En fait, elle va vous proposer ce que tu veux. Est-ce que tu veux qu'on crée une histoire sur une princesse, sur un chevalier, sur un dragon? Il va cliquer une fois, ça veut dire oui pour la princesse. Est-ce que tu veux que... Et ça va proposer plein de choses, ça va lui créer une histoire au fur et à mesure. Et en fait, il peut inventer plein d'histoires comme va son imagination. Ou alors, tout simplement, il écoute des histoires. Donc, c'est vrai que ça peut être pratique si... Tu es toujours là? Quel voudrais-tu faire? Donc, je vais l'éteindre. Et du coup, ça permet ça que bah, des fois, moi, chez mon fils, il a envie de temps en temps, il prend avec lui dans le lit, comme ça, il écoute sa petite histoire. Et par exemple, si vous sortez en extérieur, bah, vous pouvez emmener ça. Si vous n'avez pas le temps, vous, de raconter l'histoire, bah, vous pouvez lui mettre ça. Et puis, de temps en temps, il écoute, il aime bien. Ça coûte un peu moins de 30 euros. Je l'ai vu à Leclerc et tout. À savoir qu'en ce moment, je l'ai vu aussi, là, en début de semaine, à Stokomanie, à 9,90 €. Donc ça vaut vraiment le coup, sachant qu'à Leclerc il est à 30 balles. Vous le trouvez à 9 € à Stokomanie. Si vous avez un Stokomanie chez vous, allez voir. Et ça c'est une super idée cadeau, c'est très original et c'est très mignon. Et voilà, ça sort un peu de l'ordinaire. Sur ce, voilà, je vous ferai comme promis une vidéo quand Noël sera passé sur nos cadeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des...
cadeaux à me conseiller, des idées cadeaux pour mes fils. Vous savez à peu près les tranches d'âge maintenant. Moi, je suis toute excitée de Noël. Il y a plein de choses que j'aurais pu rajouter hein, pour les hommes. J'ai pas tout mis. Il y a des vêtements, il y a plein de choses. Hein, mais j'ai fait une petite sélection vite fait. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao !